Bonsoir à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, est-ce que les survivalistes font des économies? Allez, c'est parti. Alors évidemment, on est en droit de se poser la question si un survivaliste ou un citoyen prévoyant fait des économies. Alors, tout d'abord, il y a plusieurs choses à prendre en compte, notamment, avant de parler de ma situation, voilà, vous avez vu mes vidéos sur les commos, donc sur le système de chasse-gueux que j'ai mis en place, donc qui marche très bien, j'ai même un peu changé de truc. Donc déjà ça c'est pour éviter de gaspiller l'eau n'importe comment, surtout d'une manière je trouve ça absurde de prendre l'eau propre pour évacuer votre merde. Mais bon, ça c'est un système aussi pour économiser l'eau, pour écono, hein, économiser. Économie, écologie, bon voilà, j'ai appelé ça comme ça, mais bon bref, c'est pas le sujet. Donc ça c'est un truc, pour l'hiver je chauffe pas, je m'habille pour les grosses couvertures comme ça. Alors vous allez me dire ouais mais au moins s'habituer, s'acclimater un petit peu à une manière de s'adapter simplement entre eux. Si un jour il y a un effondrement, de prendre une veste, de prendre un plaid en plus, d'être accoutumé à ce manque de confort, c'est justement le fait de sortir de votre zone de confort qui me permet à être mieux adapté à un éventuel effondrement. Ensuite, par exemple, pour revenir aux économies, ben voilà, j'ai enlevé un carnet de la maison. Donc, ça va faire ça va faire 2 mois à la fin du mois. Donc, je vis très bien sans internet. J'ai, entre guillemets, comme un internet, son téléphone, mais enfin, je n'ai pas de box à la maison. Enfin, j'en ai plus depuis 2 mois, presque. Donc, quand vous faites ce genre de choses pour faire justement des économies, on peut, à l'inverse, bah, gérer un peu plus sur la tirelire pour faire gonfler le sac d'évacuation ou faire des réserves. Alors évidemment, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, faire les réserves de nourriture ou d'eau, c'est pas non plus un cas spécial. Vous faites vos courses normales et puis vous prenez quelques en plus pour faire vos réserves. Quitte à une fois prendre par exemple une prime de Noël, une prime de vacances, pour justement accélérer la réserve, puisque le problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas quand que ça va arriver, et on ne peut pas vraiment se dire, bah, j'ai tout ce qu'il faut, je suis 100% autonome, pas forcément. Donc, c'est assez difficile de gérer le truc. Et puis, tous les mois, vous n'allez pas vous concentrer que sur un truc. Vous allez faire un roulement de 3 choses pour le sac d'évacuation, de 3 choses pour les réserves. Alors, quand je parle de réserve, hein, c'est nourriture, bouffe, pime, bougie, médicaments, divers outils. Donc, ça c'est varié. Économie ou pas,
C'est un peu difficile à dire parce que, à moins de mettre à moins de faire une feuille de budget, je dis, voilà, je pense uniquement aussi pour ça. C'est pas forcément nécessaire, mais enfin, vous savez à peu près ce que vous dépensez par mois et vous pouvez donc à peu près juger par pour ça. Ensuite, faire des réserves, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes survivaliste ou que vous croyez à l'effondrement économique, écologique, sociétal. Ça peut être tout simplement, vous savez que les mois sont difficiles. Faire des réserves, mais aussi être une manière de vous garantir de pouvoir manger tous les mois, ou au moins de faire bouffer vos gamins tous les jours. Tout simplement, vous faites des réserves, vous avez la CAF même de bouffe. Donc, on fait maison, on fait acheter des réserves, des boîtes de conserve, des gâteaux, enfin, vous pourriez ouvrir un magasin vous-même. Si l'effondrement n'arrive pas, mais au moins, vous êtes tranquille pour un bon moment et pas besoin de faire vos courses. Donc, ça, c'est ce que mon vieux, mon grand-mère, mon grand-père faisait, mon grand-parent faisait. Ben, aujourd'hui, quand vous dites ça à des gens, ben, ça n'est pas bien, mais marrant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile à dire. Donc, faire des économies sur quand vous êtes survivaliste ou prévoyant, ou même quand vous êtes quand vous faites de la musique, quand vous faites de la vidéo, quand vous faites de la peinture, quand vous faites du bricolage, on a toujours des choses à acheter. C'est aussi pour ça que, d'une certaine manière, revenir à l'ancienne vous apprendra aussi à être moins dépendant de certaines choses et peut-être faire les choses par vous-même. Ça, c'est ce qui me manque, je pense, aujourd'hui. Bon, économie ou pas, c'est voilà, c'est toujours pareil. Un fumeur qui du jour au lendemain décide d'arrêter de fumer va dire, bon, ben voilà, j'utilise plus cet argent pour les cigarettes, et je vais pouvoir les mettre ailleurs. Je prends mon exemple, depuis que j'ai arrêté de fumer, de boire, pardon, je m'achète des livres. Des livres, enfin. J'en achète 6 ou 7 par semaine, voire parfois, enfin plus ou moins, un livre à 28 euros. 28 euros, bon. Gilles, si je pouvais faire des livres moins chers, ça serait pas mal. Je déconne, mais bref, ouais, 30 euros bouquin. Moi, ça me faisait à peu près 5 jours de picole. Ouais. Donc, je vais me remettre à voir et à lire les bouquins. Non, je déconne, mais c'est vrai, les bouquins sont extrêmement chers. Et encore en Suisse, sont bien plus chers. Donc, lire, la connaissance, c'est le pouvoir. Donc, ne pas lire, bien sûr. Je dis ça en déconnant. Mais pour dire, effectivement, pour revenir à l'histoire de la cigarette, on peut effectivement se dire, ben voilà, je mets mon argent toujours dans quelque chose. Et bon, faire des économies, c'est un cas, je pense, aujourd'hui, je ne peux rien dire. Parce que, en général, ça vous a sûrement déjà arrivé, vous avez de l'argent sur votre compte, vous avez tout payé, vous avez payé vos factures, il n'y a aucun problème. Le chat, faut m'amener chez le veto. Je parle d'expérience. Elle a mis celle dehors. Ou la voiture a un problème, ou on n'arrive jamais à avoir un mois sans problème. Et ça, c'est pour tout le monde. Donc, faire des économies, c'est déjà pas facile. C'est déjà pas facile de bouffer pour certains. Bon, parler d'économies, c'est peut-être un petit peu naze. Mais voilà. Je tenais à faire cette vidéo parce que moi qui suis pas mal intéressé par plein de choses, parce que là j'ai les bouquins, je parle de bouquins de survie, les bouquins de là j'ai Jim, l'artigo sur les abattoirs, sur comment manger différent, les barbares, merci à Luc.
J'ai quoi? Manuel de survie par comment il s'appelle ce qu'on ici? Par Colin Noël. Donc les bouquins, j'ai même dû faire une étagère supplémentaire pour les encyclopédies sur l'astronomie. Bon, oui, je voulais dire que c'est extrêmement varié en bouquins. Là, je me suis acheté à mon prix le livre sur les Vikings, sur la mythologie, sur la pratique de la religion païenne. Mythologie païenne, je préfère. Religion, c'est un post romain. Donc, comme vous êtes comme moi, sur plein de sujets différents, c'est difficile de faire des économies. Donc, après, il faut savoir ce qu'on veut. On n'a qu'une vie, il faut quand même en profiter. Même si le discours veut dire effondrement, certes, c'est un sujet qui, je pense, fait peur à pas mal de personnes, c'est pour ça que c'est encore très compliqué quand les gens on leur parle de fin du monde ou de fin d'un monde. Je pense que les gens n'acceptent pas de perdre leur confort. Et c'est paradoxal, justement. C'est paradoxal parce qu'au final, si tu veux pas perdre ton confort, ben, fais en sorte de pouvoir regarder aussi longtemps et dans les meilleurs paramètres. Bon, faire des réserves, éviter d'être dans la merde. Bon, voilà. Je vous rappelle, pour le mois de décembre, on fera la FAQ live, parce que la dernière fois j'avais dit je ferai un live, mais j'ai oublié de dire on fera une FAQ live pour commencer, sûrement, pour aussi faire un premier live officiel, et puis histoire de pouvoir bien terminer l'année. On est déjà fin 2019. Quasiment. Cette année encore passée très vite. Et puis pas mal de belles choses sont arrivées. Donc j'espère que l'année prochaine c'est pareil. Et puis voilà. Voilà les amis, moi je vous laisse. Mais voilà. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, dans la vie, il n'y a jamais de problème. Il y a des solutions. Ciao les amis.